L'écriture de Nostradamus était une écriture au cryptage complexe. C'est incontestable, j'ai découvert le secret d'écriture de cet homme. J'ai mis 36 années pour comprendre. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture complexe a été mise à jour. Voici maintenant la révélation du 89 de la 3e centurie. Voici le quatrain numéro 9. Bordeaux, Rouen et La Rochelle-Huin tiendront autour la grand-mère Océane, Anglois-Bretons et les Flamands Cônevoins les chafferont jusqu'auprès de Rouen. Dans l'analyse en premier degré de ce quatrain, Nostradamus exprime la joie qu'il voit d'avoir réussi à écrire ses textes. Il nous parle du supplice des eaux hautes à l'aube dans le courant du mois d'août. Ce sera le moment de leur hache. Il explique que le délai pour les Andes sera inscrit, que le niveau des inondations en cette période atteindra le niveau de la tête des gens. Il écrit « Les scènes que durera sont les flammes du mal ». Il voit l'ère du rond nord et la terrible catastrophe. Le deuxième, troisième et quatrième degré qui s'ensuivront complétera ces révélations. Voici maintenant le quatrain entièrement décrypté selon le premier degré. Voici le résultat. J'entends nettement ta joie en juin. Tu assembles nettement tes thèses qui étaient dissimulées à la vue de tous. Cette échelle des valeurs, des mots, sera laissée dans cette connaissance des heures passées sur l'ère des mots, de ces rouleaux décrits. Là, autre chose sera dissimulée. Tu auras l'époque de l'année de cet énervement de ton air. Elle sera une ère de supplice que vous aurez en août par les eaux haussées. Elles iront dans les villes et les bourgs. Les rues auront les eaux à l'aube. Je vois les rames. Je vois l'année de la naissance de cette connaissance. Ce sera l'essai haussé de la connaissance sur les eaux hautes des océans, en semant la vérité sur la mer, qui était limpide et maintenant chargée de branches, de fagots et de corps. Maintenant seront les rames et un grand regret du temps passé. Des grandes Andes, j'ai mis dans les lignes de cet art le délai que tu devras avoir rapidement. Les tours et les maisons et les rues seront dans les eaux hautes. J'ai vu les eaux hautes aller en dehors de l'air du rond nord. Nettement, la surface des eaux atteindra le niveau de la tête des gens. Pour les Andes, il faut le dire. J'entends nettement en juin ta joie de tenir ces thèses ténues. Par cet essai phonétique contenant nos connaissances, ce sera la prise de possession, le nantissement en ton année de naissance. Les scènes que tu auras par mon âme seront les flammes du mal. Ces faits seront laissés dans ces usages du temps. Tellement la tonalité prendra naissance par des scènes hautes et par des heures sombres proches. Le réel relais de lecture par cette haute loi sera entendu ici, en étant l'ange pour l'année de la gêne de neige, qui se produira. Tu auras l'époque de l'année de l'énervement des eaux hautes qui fera tout rouiller. Ici sont les idées de Dieu qui aident. Dans l'ère des mots seront la règle et ses arrangements. Ces usages d'expression doivent être faits. Ce sceau sera un pouvoir élevé qui sera effort et vertu, et une obligation d'avoir ce cryptage contenant les visions du monde. Par les visions, j'ai suivi et vu faire front les eaux de l'ère du rond nord. Tes thèses seront faites dans ta maison, où tu connaîtras leur hache première. Ces faits sont scellés dans ces usages laissés. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, beau sera l'air des mots de Dieu le Très-Haut. À l'aube, vous aurez les eaux. Je vois des radeaux. Ce sera une époque de bourde. Ton air sera difficile. De Dieu sera l'avertissement pour les eaux inscrites dans cette coutume d'expression. Nous voyons les êtres serrés par les eaux et avons cette année nettement pour ce tel été qui sera inscrit dans ces notes. L'art de l'air des mots élèvera la connaissance de leur hache et son échelle pour cette époque des eaux haussées. Cette connaissance ira parmi les religions dont la coutume et son serment seront entendus. Ils seront nettement inscrits dans ces premières thèses. En 2, le 7 juin, nous entendons nettement la naissance rapide de l'échelle d'expression orale de la connaissance de leur hache. Également pour autre chose. Les eaux iront dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. L'époque de ce puissant sortilège provoquera des râles. Le mécontentement sera sur cette lettre connue en été, où sera indiqué le temps de cette année d'extrême nudité par les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant dans les rues sera cette coutume d'expression qui indiquera la durée de l'existence. Cette aide fut difficile à réaliser pour indiquer l'ère des eaux que vous aurez en Europe. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré.
En un, là, tu as l'année de la naissance de cette puissante connaissance secrète de l'ère des mots, qu'il faut remettre en ligne. Elles indiqueront l'époque de la mer et celle des Andes. Il faut raconter les dégâts, ce sera une véritable gale. Par cette allure, la lecture et l'ère des mots seront dans les rues. À cette époque, les eaux hautes seront à la hauteur des véhicules. Tu as la tonalité de ces hautes notes. Tu as rapidement la description du tonnerre qui apportera la haine dans le rond nord, que tu devras restituer nettement. Tu as les yeux sur la naissance des eaux C dans cette haute connaissance secrète. En France, nous avons un bâtiment de guerre de la Marine nationale, un BPC tonnerre. En deux, la terre des Angles, ce sera l'Angleterre, aura en cette période une année de gelée, de neige, et j'entends les inondations. La loi de cette écriture sera entendue et sera criée par l'air des mots, dont la tonalité sera répandue cet été, sera laissée dans ses usages d'expression laissés par ses notes, sur ce terrible été que vous aurez, cette gigantesque flamme qui produira un amas immense. Ce sera une année de haine pour les êtres. Sera dans cet essai de la connaissance, par les sons phonétiques que tu auras conjointement, ainsi seront entendues nettement tes thèses. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, la terre des Angles, ce sera l'Angleterre, aura en cette période une année de gelée, de neige, et j'entends les inondations. La loi de cette écriture sera entendue, sera criée par l'air des mots, dont la tonalité sera répandue cet été. Sera laissé dans ses usages d'expression l'essai par ses notes sur ce terrible été que vous aurez. Cette gigantesque flamme qui produira un amas immense. Ce sera une année de haine pour les êtres. Sera dans cet essai de la connaissance par les sons phonétiques que tu auras conjointement. Ainsi seront entendues nettement tes thèses. En deux, cette thèse est sainte. J'entends cette première haine des éléments. J'entends les gens se noyer et les eaux haussées des océans. Un SNA qui sera mal construit à cause de ses ailettes, ses hélices, sera en cette année au plus mal. Ici seront les notes par mon âme laissées. De ces faits, il faut faire cet usage d'expression pour cette lettre publiée en été. Tes thèses sont issues des sons phonétiques que tu as nettement maintenant, par des scènes qui ont été notées. Votre planète est une terre de honte. Vous allez produire l'air des eaux hautes par le reflux de la mer. J'ai les yeux sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Vous aurez ainsi la GN. Sera de Dieu pour que le porteur de ce message soit entendu par ce legs. Ces années de thèse sont saintes. Dans la ligne en jaune, à l'origine du texte, vous avez un mot souligné en blanc, en écriture inversée, SNA. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, je laisse les usages d'expression devenir cet essai de la connaissance de leur H. Tu l'as le premier en faisant les heures de l'air du rond nord que tu auras nettement. Tu as eu la coutume qui a construit ce cryptage. Ce sera la volonté de voir la menace des eaux, par ce pouvoir élevé proche de l'air des mots. Ces usages d'expression furent cédés par Dieu, afin d'obtenir les heures de votre époque, suppliciées par les eaux. Lorsque vous aurez les eaux à vannes, ce sera proche de l'heure des eaux au C. En deux, la haine des eaux, vous l'aurez par les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, ce sera une époque difficile. L'air des mots aide à desserrer la connaissance. Ce pouvoir sera élevé. Ce puissant cryptage donnera naissance aux visions. Rapidement, la planète subira la violence du rond nord, et vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, ton air aura pour effet d'être effacé. Tu as ces heures qui furent scellées, ainsi que la durée de l'existence limitée par la haine des eaux. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.